Salut à tous, alors aujourd'hui nouvelle vidéo sur FIFA 16 avec le sixième épisode de Fatal et aujourd'hui les choses sérieuses commencent puisque je vais affronter Krasi le joueur bulgare. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer, voici le tableau final avec un Gorilla contre Ovid et les huitièmes de finale. On a aussi Jukes face à Inception, Alfonso Ramos face à Dr. Erano, on a Paz face à FIFA Liz, Patan face à Fut, Whiskey Fear face à Soilover, Krasi face à moi et Dirty Max face à Yozik. Petit point de règlement rapidement, donc ça va jouer en aller-retour, format Ligue des Champions, on additionne les deux résultats, sauf qu'il n'y a pas le but à l'extérieur, et en cas d'égalité, il y aura un match d'appui. La dernière fois, je vous avais donné le choix entre Gattuso, joueur de légende et Daniel Alves Boost, ou alors Meikon Classic et Diego Classic, et vous avez choisi bien évidemment le choix numéro 1 avec Gattuso, et donc voilà ce que ça donne, on a la team maintenant au complet. Allez c'est parti, je vais donc affronter Krasi, un joueur très très expérimenté, un joueur bulgare que j'ai déjà croisé plusieurs fois en tournoi. Et vraiment un joueur pas évident à jouer, donc on va voir ce que ça donne. Je connais pas son équipe, hein. Je crois que c'était Pogba, son joueur de base. Après je sais même pas ce qu'il a fait autour. C'est la petite surprise, qu'est-ce qu'il a. Ah ouais. Ah c'est pas mal, hein. Il s'est fait une petite hybride, bon on connaît la défense très costaud, hein, du classique, les buggés. Et sur les côtés, bah Cuadrado j'aime beaucoup, putain Stoïkov, Crespo, ça c'est pas mal aussi Pogba. Ouais, bon allez c'est parti, on va essayer de se concentrer, parce que là ça peut aller très vite, hein. Ça sera la pause de compète. Par contre c'est dur quoi, il y a déjà les faces, ça prend les profondeurs et tout, ça tire, c'est dur. Bon, on va essayer d'éviter un vieux corner. Non, non. Oh putain, ça aurait été dur, tous ces trucs là, j'ai horreur de ça, qu'est-ce que tu veux faire. Ah ouais, c'est milieu, j'arrive pas à les prendre. Mais c'est quoi ces trucs, les gars, je suis en train de découvrir un autre jeu, là. Putain, c'est quoi ces centres de ouf. Oh, il lui a déposé, quoi. Ah, ça va être très chaud, les mecs. Bon, on va essayer d'être encore en vie après le premier match, hein. Bah ouais, mais Lucas, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse. Au moins, il se bat, c'est toujours ça. Ah non, mais ce centre du futur qu'il m'a mis. Puis en plus, il presse bien, il défend bien, donc il me laisse pas trop respirer pour le moment. Vas-y, on tente en croisé, ça peut passer, ça. Dommage, je la voyais bien. Ah, putain de Pogba. Oh non, c'est quoi ce délire. Putain, mais ça, personne l'utilise, non. Bon, ça va un petit peu mieux, mais bon. C'est pas évident de se créer des occasions. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, hein, surtout son centre. Après, sur les côtés, il fait mal. Allez. Mais non, avec un peu de Schneck. Oh là là, c'était contré, mais ça doit rentrer, ça. Faut que je fasse gaffe au centre, parce qu'il aime bien les centres. Mais je crois qu'on l'a vu. Oh, y'a rien. Tous ces trucs-là, c'est compliqué. Il a l'air de maîtriser très très bien ça. Surtout avec 15 joueurs comme Crespo en plus. Oh, Lucas. Super le pressing, super. Mais y'a rien. Oh, il est pas sérieux l'arbitre. Oh là, j'avais un bête de coup à jouer. Oh là là, mais c'est quoi tous ces tacles. Allez Lucas. Oh Lucas, Lucas. On tente au moins avec Lucas, c'est pas grave. C'était ça petit Lucas. Ah là là, bon bah mener à la mi-temps, c'est dommage qu'à part le centre, je pense j'ai eu un peu plus le ballon. Après c'est dur de se créer des occasions. Ouais voilà, au stade, un peu plus de possession. J'ai eu des situations mais je joue mal le coup. Après il presse bien, il défend bien, il jette pas, ça qui est pas évident. Allez Cheva. Non mais c'est quoi cette passe. Je récupère bien la balle, vous avez vu chercher. Allez. Allez Ricky, tire. Tire. Mais non, mais Ricky, putain. Ah, puis sur les côtés, il est rodé, hein. C'est phase, le débord. Voilà, et ça passe en force, et après, bah... Voilà, quoi, t'es en galère. Ah, oh, il a toujours son centre bugué, là. Vas-y, Andanovic. Voilà. Voilà, fais-toi respecter. Allez, super. Super. Mais non, Neymar. Oh là là. Ah franchement j'ai pas de chance, c'est dur. Super Felipe Luis, super. Tire. Mais oui Felipe Luis, c'est ça qu'on veut. Ah il pensait à la passe, c'est pour ça que je suis allé tout seul. J'ai eu un peu de chance, il anticipait à fond la passe. On a tenté, voilà Felipe Luis, parfait. Ah non mais là c'est mérité, parce que là je pousse depuis tout à l'heure. Mais après c'est dangereux. Parce que tu sens qu'il a ses phases sur les centres, les jeux de tête, enfin tout ce qui est jeux de tête, que ce soit les coups francs, corner et tout, tu sens que c'est chaud. Dès qu'il passe sur les côtés, c'est compliqué. Super, Alves. Super, allez. Il est pas hors jeu, il est pas hors jeu. Allez. Oui, c'est caca en plus. Non, c'est coquet. Super coqueux. Parfait ça. La petite passe, j'ai vu, il était pas hors jeu. Heureusement là, j'ai fait un petit...
J'ai préféré continuer avec le ballon plutôt que de tirer bêtement direct. J'ai vu qu'il y avait moyen de déborder un peu le goal. Non, pas une touche comme ça. Ça serait trop laid, ça. Ah ouais, mais Crespo, il prend tout. Il est horrible. Ah, Lucas, je vous jure, il fait son match pour le moment. Allez, Ricky. On tente, Ricky. Oh, dommage, elle n'est pas contrée. Mes joueurs, ils avaient suivi en plus. Putain, je suis un fou. En plus, je joue en passe détente. Allez, Sheva. Ah, la passe, elle est mauvaise. C'était qui? C'était Coquet. Ah là, c'est là où il est relou. Parce qu'il explose vite. Super, c'était Thiago, ça. Magnifique. Hé, elle me fait pas flipper comme ça, Honda. Bon, bah ça va, on est revenu, on était mené. Franchement, on a fait un bon match. Je pense que c'est mérité. Après, c'est loin d'être fini. Ce que tu sens qu'il lui faut pas beaucoup d'occasions. Puis, s'il a un jeu, c'est dur à défendre. Ce qui passe beaucoup par les côtés. Et puis voilà, tout ce qui est centre et tout, jeu de tête, c'est très dur. Donc, on va voir, on va essayer de continuer comme ça. Mais pour le moment, on est pas mal, on a fait un bon match. Bon, allez, c'est reparti pour le deuxième match. Bon, toujours la même équipe, on prend les mêmes, on recommence. Et donc, je rappelle que c'est en aller-retour en mode Ligue des Champions, mais le but à l'extérieur ne compte pas. Donc, c'est juste le cumul des deux scores. Et si jamais il y a égalité parfaite, il y aura un match d'appui. Voilà, on va essayer de mieux commencer ce match que le premier en mettant le pied sur le ballon direct. Non. Ouf. Super ça. Allez, Sheva. Ah! T'as mais Neuer, quand il capte des ballons, t'as l'impression que c'est des passes que les joueurs y font à chaque fois. C'est un truc de ouf. Ça paraît tellement facile pour lui. Il rend fou ce goal. Non, j'ai mal défendu. J'avais très mal défendu. Heureusement que Crespo il va pas aussi vite que moi, parce que là j'étais mal. Allez Shevchenko, passe. Non, comment du bout du pied il a pu la reprendre. Oh, il avait pris le dessus, Sheva. Mais non. Oh les mecs, caca. C'est simple à faire comme passe. Super la def. Allez. Oh là là, il s'est fait jeter. Ah, Lucas, au moins, il se bat, il récupère, il gratte beaucoup de ballons. J'aime cet esprit, Lucas. C'est quoi ces passes? Je crois pas qu'il soit hors jeu. Si, il l'est. Ah! Ah là là, tout ça, faut pas que je le regrette. Parce que là, il y a des situations où je joue trop mal le coup à chaque fois. Où soit je me précipite, soit je fais les mauvais choix. Super la def Miranda, magnifique. Allez Sheva, t'es pas hors jeu Sheva. T'es pas hors jeu Sheva. Il est où le hors jeu? Non. Oh, j'étais sûr qu'il l'était pas. Oulala, putain Crespo, faut pas le laisser tirer. T'as pourtant j'ai mis les deux joueurs, hein, tu le sais, lui Crespo c'est. Ouh, lui il plaisante pas lui. Non les tacles, je me fais toujours avoir par les tacles. Super Thiago, la faute elle était nécessaire. Super ça. On a vu Neymar. Ah! Qu'est-ce que t'as fait caca? Putain personne n'a rien fait, oh, c'est dur. Ah dommage. Bon bah pour le moment toujours plus ça. Mais c'est con parce que il y a moyen de faire mal je pense sur certains coups. Et je joue mal. Oh là là, bien joué Ricky, ça passe. Oh je déconne. Thiago, pour le moment, il est impérial. Super, Felipe Luis encore. Non! Ça a enregistré ce que j'avais fait avant. Oh, j'avais eu le vieux compte favorable. Oh, j'ai la puce. Oh, ce serait quand même bien de marquer un autre but, parce que là, je suis pas à l'abri. Allez, Ricky. Mais non! Mais en plus, il a même pas contré la balle. Oh là 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 là, j'espère que je vais pas regretter tout ça. Lucas, bordel. Je vous l'ai dit que la chef serait là quand il faut. Carrément, j'ai mis une toute petite jauge. La balle, elle est partie cache en Lucas. J'aurais mis un tout petit peu plus. Il aurait mis un drop. C'est ça, Lucas. Maintenant, plus 2. C'est là qu'il faut pas craquer. En plus, ça va l'obliger à sortir encore un peu plus. Ça peut me donner des occasions en compte bien. Super, Miranda. Super. Oh là là. Mais en plus Shevchenko qui marque sur un travail de Neymar, c'est parfait ça. Bon bah voilà, on a fait le boulot. En plus j'avais pris le premier but. C'est ça qui est dur. Bon, au final je m'impose 4-1 sur l'ensemble des deux matchs. Mais j'avais pris le premier but, ça va, j'ai bien réagi, j'ai pas paniqué. Je pense que c'est pas volé.
Après, il est quand même dur à jouer parce que défensivement, c'est costaud. J'arrive à anticiper défensivement et puis après, bah heureusement, sur Crespo, on l'a pas vu plus que ça. Mais le peu qu'on l'a vu, Crespo, il m'a quand même fait mal, quoi. Avec ses frappes de long et tout, tu sentais qu'il pouvait faire la diff, donc heureusement. J'espère que ce nouveau Fatal vous aura plu. En tout cas, encore bien joué à Crazy, hein. C'est toujours un adversaire coriace. En tout cas, je suis plutôt content de moi parce que j'ai fait le boulot. Maintenant, il reste plus qu'à attendre mon futur adversaire. Bon, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!